Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur me guette l'aurore. Le Seigneur est amour, règne-lui, pardonne-le, lâche-la. Alléluia, 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 alléluia. La vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 alléluia. Selon ce livre. En ce temps-là, Jésus disait, quel malheur pour vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, que eux-mêmes ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai les prophètes et les apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. » Oui, je vous le déclare. On en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commençaient à s'acharner contre lui et le harcelaient de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, si Jésus vivait à notre époque, nous l'aurions certainement éliminé comme ses contemporains, ou nous aurions fait pire. Observons un peu l'Évangile. Comment Jésus est direct et vrai avec les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens, qui font pourtant partie des responsables du peuple. Et cela lui valut complot sur complot jusqu'à sa passion. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, les personnes directes et vraies ne sont pas aimées, elles ne sont pas appréciées. Mais vous et moi, de quel côté nous trouvons-nous? De celui des personnes directes et vraies, mais qui acceptent également qu'on le soit à leur égard, comme Jésus, ou du côté de celles qui n'aiment pas la contradiction, qui se donnent et trouvent des raisons pour ne pas entendre la vérité et cherchent à faire taire ceux qui la leur disent. Frères et sœurs, que chacun de nous réfléchisse sérieusement. De quel côté sommes-nous ?